Bonjour les amis. Bon, une petite vidéo. J'ai fait des grosses modifications concernant la pédale. Donc, la possibilité de caler le pied et de l'enlever facilement. Et de l'autre côté, le petit étrier pour pouvoir remonter la pédale lorsque j'en ai besoin. Bon, là, ça sera probablement l'une des dernières vidéos avec ce type d'emboîture. Donc c'est une emboîture qui est datée de 5 ans. Là, c'est un réo. Donc qui est resté sur le mode marche. Et vous verrez que ça n'a pas d'incidence comme certaines autres prothèses. Le réo peut rester en mode marche. Donc on peut aussi le mettre en mode libre, mais en mode marche, bon, ce qui est pratique, c'est qu'on peut descendre du vélo et marcher, donc il n'y a aucun souci. Donc c'est un réo qui arrive à 5 ans, il a déjà été vérifié par la maison aux usures. Donc, de toutes les prothèses que j'ai eues, c'est l'une qui a tenu le mieux, quoi. Bon, il faut dire aussi que ce type de prothèse, elle est quand même, je mets beaucoup d'énergie dans mes prothèses. J'ai fait aussi beaucoup de casses. Donc là, aujourd'hui, petite sortie vélo. Je vais essayer de faire un petit film rapide. Et ça sera l'occasion de parler de tout ça. C'est parti. Donc, lorsque je démarre, voilà. Je démarre avec le moteur. Comme ça, j'ai mon emboîture, tout. Je ne mets pas trop de force dessus. Et je peux démarrer. Le moteur, il est à 15%. C'est un moteur de 1000 watts. Ce qui permet, pour moi, en tant qu'amputé fémoral, d'avoir repris le vélo. Alors, ce qui est intéressant dans le moteur, vous allez le voir au fur et à mesure. Bon, là, je le mets en route tout doucement, parce que, bon, j'ai aujourd'hui 69 ans, et il faut garder la forme. Bon, il faut dire aussi qu'il y a le plaisir de faire du vélo. Allez, la fourche est bloquée, on est à 15 et c'est parti. Bon, là, il y a du vent, hein.
On force sur la prothèse, tout se passe bien. Bon, l'emboîture, comme je vous ai dit, c'est pas le summum. Elle a eu du vécu. Le mognon s'est un peu amassi. Donc, il y a du rembourrage à l'intérieur. C'est pas le summum pour faire du vélo. On est parti. Donc là, on va faire le parcours, un aller-retour. Donc, on va partir sur le bois de Cambla-Châtelain. Donc là, on est en descente. Tout se passe bien. Beaucoup de vent. Toujours à 15%, ça monte. La jambe droite veut aller plus vite que la prothèse, pas bien. Parti sur le 52-11. Donc là, on est dans le bois de Cambla, Châtelain. Donc ce que je veux montrer, on va faire la descente. On va faire la descente de cette côte. Je vais aller au rond-point et je vais la remonter pour vous montrer comment je peux forcer avec la prothèse. Alors, on va reprendre son souffle là. Comment je peux forcer avec la prothèse et comment le moteur peut m'aider. Parce que c'est vrai, quand on est amputé, on se dit, ben, on va faire que du plat, quoi. Bon, c'est vrai. De l'autre côté, le moteur nous permet justement de se faire des balades
En moyenne, une cinquantaine de kilomètres, c'est déjà pas mal. Bon, la technologie fera qu'un jour, on fera des moteurs qui consommeront moins. Mais moi, franchement, je trouve ça m'a remis sur la route. À l'heure de mes 69 ans, youpi ! Il est fou, Dédé. Bon, là, ça défile, hein. Donc, vous voyez, bon, on est... Allez, on peut. Et le moteur répond encore. Et il n'y a qu'à 15%, hein. Là, je descends, je suis à 35-40 km/h. Bon, on va calmer sa joie. Voilà. Et ça passe. Et ça passe. Ouais, voilà. Donc on va aller faire le tour du rond-point. Gentiment, et on va remonter cette côte. Ça va pas être la même histoire. Bon, voilà, c'est averti. On va reprendre la côte maintenant. On va arriver tout doucement. On ne va pas la prendre trop vite. Voilà. On y arrive. Hop, je descends mes vitesses. J'aurais dû remettre. Voilà, on arrive tout doucement. Je descends les vitesses et c'est parti. Je vais le monter doucement. À la force du moignon. Voilà. Donc, je suis sur le. Ça doit être le 19 ou le 18 ans. À l'arrière. Je suis resté sur le plateau avant à 52 dents, le plateau 52. Et je monte tout doucement, le moteur joue bien, on est à 10%. Là, je décide que bah, je peux plus monter, quoi, c'est trop dur. J'ai passé le moteur à 60%. Ça y est, réagi. C'est parti. Je peux même monter les vitesses. Voilà. Donc là, je suis à 60% du moteur. On peut voir que ça monte, hein. Voilà. Je ne sais pas, il soufflait, tout va bien. 60% du moteur. Donc, ce que je veux prouver, c'est que même amputé, tu as des côtes, tu as tout ça. Tu peux les monter. Tu peux les monter. Il y a le camion qui est derrière, il doit se demander, il est fou ce mec. Bon, allez. Donc, 60%, je suis toujours dedans. 60%, je suis toujours dedans. Ça pousse, ça pousse. Oh, enculé. Vous avez... Ah, ah.
Ah ouais, tu peux mettre. Enfoiré. Bon, on va calmer sa joie. Voilà. On va revenir à 15%. Ça se voit tout de suite, hein. Allez. Voilà les amis, pour vous montrer que tout ça est faisable. Donc, c'est pas que je vais faire une pub pour Réo, c'est pas le but. C'est pour dire que bon, moi personnellement j'en suis très très heureux. Bon, je fais quand même 100 kilos, c'est quand même une prothèse... qui est un peu lourde. Moi, personnellement, j'en tire un avantage. J'espère que... Là, on parle de remplacement. Elle arrive à terme de ses 5 ans. Elle a bien travaillé. Il y a du jeu un peu, mais ce qui est tout à fait logique. Je pense que je la garde en moyenne une quinzaine d'heures par jour. En moyenne. Donc, voilà. Donc... Le but, c'était de marier la prothèse avec un vélo électrique, ce qui permet de reprendre, de faire du sport, et de voir les choses autrement, quoi, c'est super sympa. Pour ceux qui sont amputés fémoral, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu aussi une BBCO sévère niveau 4, c'est pour ça que je parle par à-coups. Il faut des temps pour respirer. C'est la maladie du fumeur. Hein. On va pas se plaindre. Hein. Bon, ça fait aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et dans 3 mois, ça fera 11 ans que j'ai arrêté de fumer. Et ça fait 4 ans que je me bats, que j'essaye d'adapter mon vélo pour faire du vélo. Il a fallu que je reprenne le vélo dans le sens que la BBCO. Il fallait faire du sport, faire du vélo chez soi, dans sa maison, en regardant ses 4 murs, c'est pas marrant. Franchement, c'est pas marrant. Et l'opportunité d'avoir un vélo électrique, eh ben, ça m'a ouvert la porte. Donc en moyenne, je fais 3 sorties, 3 à 4 sorties par semaine, ce qui en moyenne me donne une moyenne. Hein. Je parle d'une moyenne. De 90 km semaine. Et celui qui est le plus content, c'est le plumologue. Bon, mais les amis, bon week-end pour toutes les mamans, bonne fête et à plus.